Yo tout le monde, nouvelle petite vidéo rapide pour vous indiquer quel matériau a préfarm pour monter Ariato lors de sa sortie. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je mettrai des liens utiles pour vous aider à préfarmer. Alors tout d'abord pour les aptitudes, vous devrez préfarm les livres enseignements de l'élégance à Inazuma. Si vous voulez monter les trois aptitudes, il vous faudra 9 tomes verts, 63 tomes bleus et 114 tomes violets. Et quand vous allez vouloir passer du niveau 8 au niveau 9 votre aptitude, il vous faudra des pièces de la Shogun Raiden, donc le nouveau boss. C'est l'item en forme de main que vous droppez sur la Shogun Raiden. Donc je vous conseille de préfarmer dès maintenant parce que vu que c'est un nouveau boss, et ben, on n'a pas eu le temps de mettre des pièces de côté. Donc je vous conseille de préfarmer dès maintenant. Évidemment pour les matériaux requis, il vous faudra les mêmes que Yaimiko par exemple. Donc les garde-main célèbres qui se drop sur les samouraïs. Il vous en faut énormément. Donc je vous conseille de farmer ça régulièrement, donc tous les jours, le plus possible. Après pour les matériaux d'élévation, c'est un peu comme Ayaka, il vous faudra des fleurs de cerisier, donc il n'y en a pas énormément énormément sur la map. Donc je vous conseille de pré-farm dès maintenant, il vous en faudra 168 si vous voulez l'élever jusqu'au level 90. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vais vous mettre une map interactive où vous pourrez voir tous les items où les trouver. Pour le matériel d'élévation de personnage, il faudra farmer l'hypostase hydro. Il vous en faudra 46 si vous voulez le monter au niveau 90. Il vous en faudra 26 si vous voulez le monter niveau 80. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller voir la description parce qu'il y a la map interactive dedans. Et il vous propose des chemins hyper intéressants pour les matériaux à farmer. Très important, je rappelle que je vous conseille de farmer le World Boss de la Shogun Raiden chaque semaine pour avoir le plus de pièces possible quand Hayato va arriver. Sur ce, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ciao!